Le torchon brûle entre Kate Middleton et la reine Elizabeth II. Le site célèbre Dirty Laundry rapportait récemment que la souveraine reprochait à la duchesse d'être trop laxiste avec ses enfants. Mais l'éducation du prince George et de la princesse Charlotte ne serait pas la seule source de conflit entre les deux femmes. Non, toujours selon le site célèbre Dirty Laundry, la souveraine aurait qualifié Kate Middleton de « paresseuse ». Et pour cause, la jeune femme rechignerait à assurer ses fonctions officielles. En effet, attendue en Belgique au début du mois de juin afin d'assister aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la duchesse de Cambridge a fait faux bond à son mari à la dernière minute. La jeune maman a annulé sa venue, préférant s'occuper de ses deux enfants. C'est donc seul que le prince William a participé aux festivités. La reine Elizabeth II n'aurait pas caché son agacement suite à cette annulation. D'autant plus que l'emploi du temps de Kate Middleton pour cet été est loin d'être surchargé. En effet, la duchesse de Cambridge n'aurait prévu que quelques déplacements, notamment en Allemagne et en Pologne. Pour autant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Kate Middleton est loin de cela cool et douce. Non, la jeune maman prépare activement son déménagement à Londres qui est prévu pour la rentrée. Et autant dire qu'elle a du pain sur la planche. En effet, l'épouse du prince William a récemment été lâchée par son assistante personnelle puis par sa gouvernante. Si elle sera moins présente sur le terrain, la duchesse ne devrait pas pour autant se tourner les pouces à la maison.